Rebonjour à tous, vous êtes avec le Gratteur Fou. Moi, après la stratégie de James Bond à la roulette, je vais tester la stratégie de Jack Crackhead. C'est donc le nom de cette stratégie. Donc les jetons sont dispositionnés comme ça. Alors des mises à 1 en plein à cheval, des mises à 2, hop, et une mise à 5 sur la deuxième douzaine. Donc la deuxième douzaine, c'est là où il y a le plus de jetons. Alors bien sûr, il y a pas mal de numéros où il y a que dalle, où il n'y a pas de jetons. Donc comme pour toutes les parties de roulette, il suffit d'une série de numéros malchanceuse et éventuellement, bon ben là on se fait torcher. Puis si à l'inverse on a une série de numéros chanceux avec des jetons dessus, on peut se taper du win. Alors là je me suis pas lâché quand même, c'est des mises à 1, des mises à 2 et mises à 5 pour la douzaine, donc total mise 36. On va pas trop abuser quand même, on va voir. Niente più scommesse, grazie. Bon, parce que c'est clair que la précédente stratégie, celle de James Bond, c'était des mises à 200 balles. Il y avait une série de mauvais numéros, de numéros 26 000. perdants, donc c'était une jolie torchade. Niente più scommesse, Alors là, premier grazie. spin perdant, ça fait bouffer donc 36 euros. Bon là, il suffirait que ça tombe par là, puis ça paiera en conséquence. 22 nero. Alors 22, hop, Piazza du le coup on tue gagne scommesse, 30, pas ecco. énorme. Et ouais, le 22, hop, une mise en carré. Un 6-1, la douzaine. Niente più scommesse, Ça paye grazie. pas lourd. Bon après il n'y a pas de secret à la roulette, tout dépend des séries de numéros qui vont sortir, donc soit il y a de la win, 13 soit il y a de la nero. lose. Alors ici pareil, ça Piazza paye le tue scommesse, 30, perte ecco. partielle, car la mise était de 36 au Niente più total. scommesse, grazie. Allez, Jack Crackhead, celui qui a inventé cette stratégie, ben j'espère que tu vas me porter chance aujourd'hui. Due nero. Le 2, on s'est fait torcher la totale 36 Piazza le balles. tue scommesse, per favore. Alors, Jack Crackhead, on compte sur toi. Niente più scommesse, grazie. Bon, là, il suffit d'une belle série numéro gagnant, puis on pourrait faire du bénef. Si c'est l'inverse, une mauvaise série numéro perdant. Quattro nero. Ben voilà, là, c'est bénef pour le casino. Niente più scommesse, grazie. Je reprécise qu'aucune stratégie mathématique permet de battre le jeu de la roulette sur le long terme. C'est qu'au bon an la chance selon les numéros qui vont 36 sortir. rosso. C'est un jeu où généralement les professionnels de Piazza le roulette tue scommesse, per savent que c'est un jeu favore. sur le court terme. Niente più Quand scommesse, on gagne, il vaut mieux grazie. arrêter la partie et se barrer. Alors pour le moment, j'ai eu pas mal de spins perdants. 14 rosso. Alors, 129. Là, enfin un Piazza spin le tue intéressant, le scommesse, per favore. 14. Le 14, une mise en plein, une mise à cheval, deux mises en carré, hop, un 6-1, la douzaine. Donc ça paye 129 pour une mise de 36. Niente più scommesse, grazie. Si on pouvait refaire la même, ça serait pas mal. Diciotto rosso. Alors, Piazza j'avais le tue commencé à scommesse, 3020 per et favore. quelques, donc on va voir si on peut battre le score. Niente più scommesse, grazie. C'était 3028 si je me rappelle bien. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous pondre ici comme numéro? Le générateur numéro aléatoire. 30 rosso. Il a choisi le 30. La paire Niente totale. più scommesse, grazie. Alors, on va voir ici, elle a un beau petit numéro en plein. Ça pourrait être pas mal. La deuxième douzaine, elle Cinque n'est pas rosso. souvent sortie. Ah, ben coup de bol. Piazza le Alors, tue ça paye scommesse, per favore. 54. Une mise en plein, une mise à cheval. Niente più scommesse, grazie. Alors, faudrait qu'il y ait une série numéro consécutive sur la deuxième douzaine qu'on voit 31 ici. nero. Eh ben non. Niente più scommesse, grazie. On n'y est pas encore. Tre rosso. Le 3, ok, c'est encore perdant. Alors on a 9000, 2914, on n'est pas Niente più 9000. scommesse, grazie. Venticinque rosso. 25 rosso, ok, total lose. Piazza le tue scommesse. Niente più scommesse, Bon, grazie. bah, j'espère que le Jack Crackhead ne va pas nous faire comme la précédente partie sur la stratégie de James Bond. Allez, deuxième 34 douzaine. rosso. Eh ben non, troisième douzaine, le 34. Niente più scommesse, grazie. Alors, théoriquement, je dis bien théoriquement, car en pratique c'est souvent différent. Théoriquement, il devrait y avoir après une série de numéros perdants, une bonne série de numéros gagnants. Enfin, peut-être. Cinque rosso.
Le 5, deuxième fois qu'il sort. 54. Allez, il nous faudrait une série consécutive de numéros sur la deuxième douzaine. Là, on a pas mal de rouges. Voilà, s'il avait joué à la martingale sur le noir, là, ça aurait été un peu tendu. Alors, pas mal. Ok, 75. Pas énorme. Niveau win. Ah ouais, le 18, on n'a pas de mise en plein. Que de la mise à cheval en carré. Les deux, le 6-1. Niente più scommesse, grazie. Alors 1, 2, 3, 4, 5 numéros qui payent pas trop mal sur la deuxième douzaine. Là, on repart à 75 de win. Alors on a 2902, qu'on stagne pas très loin de la balance de départ à laquelle on avait attaqué ce jeu, 3028. Mais bon, on s'éloigne quand même. Allez, générateur de numéros aléatoires. Choisis-nous un beau numéro. 36 rosso. D'accord, il n'a pas choisi un bon. Niente più scommesse, grazie. Alors, la suite. On a 2830. 8 nero. Le 8. Alors, on a eu le 5, là, le 8. Piazza le tue scommesse, per favore. Niente bon, più ce qui m'intéresserait, c'est que ça tombe par là, là où c'est chargé de jetons. 1, 2, 3, 4, 5 numéros qui sont vraiment intéressants. 10 nero. Ah ben non, on a eu à côté. Niente più scommesse, grazie. Donc voilà la stratégie de Jax Crackhead. Ceux qui sont chauds pour tester, bon ben, je dois vous dire quand même bonne chance. Parce que si vous tapez une mauvaise série de numéros, comme par exemple on en fait l'expérience ici, niente più scommesse, grazie. On se fait rogner les crédits. Bon, après, cas inverse, un petit coup de bol, il suffit de quelques spins gagnants, puis ça fait du win, mais il faut se méfier avec la roulette. Alors, 36. Eh ouais, mise 36, gain 36, 35 plus 1. Alors, ceux-là, ils sont pas trop sortis, peut-être qu'on va avoir une série consécutive. Alors, intéressant, 129. Si on pouvait en faire plusieurs comme ça, ça serait pas mal. Allez, fais-nous la même. Ah non, il nous a pas fait la même. Bon, chaque fois que ça perd la totale, ça perd donc 36 euros. On s'éloigne un peu de la balance de départ à laquelle on avait attaqué ce jeu, mais bon, c'est quand même... moins risqué que les hautes mises de la précédente partie avec la stratégie de James Bond. Là, c'était 200 balles de spin. Les séries numéro perdant, ça a quand même piqué. Alors, 19, 75. J'aurais préféré le 16 que le 19, mais bon, ça, c'est pas moi qui décide, c'est lui, c'est la bibille. Alors, la super Bibi, elle va tomber où, là? 14 rosso. Ah, intéressant. 129. 2995. Alors, j'avais commencé à 3028, je rappelle. Donc là, je me rapproche de ma balance de départ. Donc, pour le moment, on n'a pas trop à se plaindre avec la stratégie de Jax Crackhead. La Bibi, elle va où? Uno rosso. Uno rosso, bah il fallait pas aller sur le uno rosso, c'était pas sympa. Niente più scommesse, grazie. Alors, me refais pas un uno rosso, si tu peux me faire un petit truc sympathique. 33 nero. D'accord. Niente più scommesse, grazie. Bon voilà, on était pratiquement remonté à 3000, mais là, 2-3 spins perdants et c'est réglé. 33 nero. 33, deux fois de suite le 33. Niente più scommesse, grazie. Bon, normalement il y a peu de probabilité pour que le même numéro sorte à la roulette, mais quand même, faut être réaliste, ça arrive. 26 nero. 26, c'est paumé. Niente più scommesse, grazie. Bon, ben mes numéros favoris 1, 2, 3, 4, 5, ils sont pas très souvent sortis. 34 rosso. Ouais, 33 Quattro, il est pas au top comme numéro. Niente più scommesse, grazie. Bon, après, il y a quand même pas mal de numéros, il n'y a aucun jeton, des numéros perdants, donc
C'est un petit peu logique de se taper quand même pas mal de spins qui se finissent sur de la loose. Hein. Voilà, Nove Rosso encore un. Alors, 2743, ok. C'est dommage, on était pratiquement remonté à 3000, donc il aurait fallu quelques spins gagnants. 30 de récupérer sur 36, perte partielle. Le 10, ça c'est ta faute. Mister Jax, tu déconnes. Niente più scommesse, grazie. Alors, 2701. Uno rosso. On va activer un Niente peu. Più scommesse, grazie. Arrêt de Bibi Manuel. Ah bah d'accord, j'ai pas cliqué sur replacer les mises. Bon bah c'est pas grave. Mais je pense qu'il est quand même peut-être temps d'arrêter la partie ou éventuellement de garder ça pour tester nos stratégies. Bon là, comme on a pu le constater, c'est un peu au bonheur la chance. Soit la baby elle tombe sur des numéros gagnants, soit c'est sur des numéros perdants, donc ça rogne le solde. Comment on a fait l'expérience ici? Bon, ben, je pense que c'est pas plus mal d'en rester là, éventuellement peut-être de tester notre stratégie, si on peut éventuellement par coup de bol, je précise, faire une remontée. Mais ça, tout va dépendre de Madame Bibi, ça c'est pas moi qui va décider. Allez, donc rendez-vous très prochainement pour de prochaines parties, puis on verra donc comment ça se goupillera.